Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR en soft spoken. Cette fois-ci je vais vous montrer mes derniers achats. Il n'y a pas beaucoup cette fois-ci, mais bon, j'espère que ça vous plaira quoi. C'est assez varié hein, comme contenu. Alors j'ai déjà déballé pas mal des articles sauf un, que ça fait des mois que j'ai acheté tout ça. Et donc voilà, au bout d'un moment, il faut quand même que je vois ici le contenu est en bon état quoi. J'espère que ça vous plaira. Donc n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo et à la partager sur vos réseaux sociaux. Allez, on va commencer avec ce petit emballage. Il s'agit donc d'Alan Wake Remastered sur PS5, un jeu développé par Remedy et édité par Epic Games. Alors ça fait un jeu dans ma collection. Alors au moment où je tourne cette vidéo, c'est tout simplement le jeu gratuit du mois. Et donc je suis en train de le faire. Alors, sachant que Alan Wake 2 sort en octobre 2023. Je me suis dit, pourquoi pas essayer celui-là vu qu'il est gratuit. Quand la fiction d'horreur devient réalité. Dans ce thriller primé, Alan Wake, un écrivain tourmenté par la disparition de sa femme Alice, se lance désespérément à sa recherche. Lorsqu'il découvre les d'une histoire d'horreur qu'il aurait lui-même écrite, Wake se retrouve menacé par son récit et devra faire face à une obscurité grandissante. De tout nouveaux visuels 4K remasterisés, des cinématiques améliorées et bien plus encore. Auteur Avoc. Alors le jeu est sorti en 2021. Je crois que le jeu était sorti au départ beaucoup plus tôt, je sais plus quand, 2010, oui voilà c'est ça, il a été remasterisé en 2021. Alan Wake, si vous l'avez fait, bah dites-moi ce que vous en avez pensé. J'ai commencé à jouer au jeu, c'est pas mal je trouve, genre de thriller dramatico-horreur. Pas mal du tout quoi. Ensuite, un autre jeu PS5, il s'agit de Godfall. Alors c'est un des premiers jeux qui est sorti sur la PS5. Sauvez Apeirion. Vous incarnez le dernier des chevaliers Valorians, des maîtres du corps à corps équipés d'armures légendaires appelées Valor Plate. Atteignez les sommets en solo ou en coop dans Godfall, le premier RPG d'action et slasher à butin de nouvelle génération. C'est un des jeux qui est sorti sur la PS5, hein. Sorti en 2020. Un jeu développé par Counterplay Games. Publié par Gearbox. Le visuel est pas mal. J'aime bien. C'est sympa.
13 €. Un petit jeu d'occasion maintenant. Il s'agit de The Orange Box. Retrouvez Half-Life 2, épisode 2, Team Fortress 2 et découvrez Portal. Inclus aussi Half-Life 2 et épisode 1. C'est un bouquin. Un bouquin, pardon. Un jeu que j'ai acheté sur eBay d'occasion. Vous avez ce Orange Box, 5 jeux, une seule boîte. Vous avez Half-Life 2, épisode 2, vous avez Portal, vous avez Team Fortress 2. Inclus les versions intégrales de Half-Life 2 et Half-Life 2, épisode 1. Half-Life 2 a obtenu la meilleure critique de tous les temps pour un jeu PC sur le site Metacritic et a remporté plus de 40 récompenses en tant que jeu de l'année. Épisode 1, le premier épisode de la trilogie Half-Life 2, a été élu jeu d'action de l'année par plusieurs magazines prestigieux. Donc en fait, ils ont fait une trilogie Half-Life 2, d'accord. C'est pas mal du tout, en fait, cette genre de compilation, quoi. Je sais pas si c'est sorti sur Xbox, hein. Vous avez une vraie notice. En couleur. Couleur orange, surtout. Ce pack contient 5 éléments. Half-Life 2, jeu en solo. Half-Life 2, épisode 1. Half-Life 2, épisode 2, Portal et Team Fortress 2. J'essaierai peut-être une fois à l'occasion pour voir. Ça fait plaisir de retrouver une belle notice comme ça. Même si la couleur orange, c'est pas ma couleur préférée. 5 jeux, une seule boîte. Donc c'est un jeu développé par Valve et édité par Electronic Arts. J'ai encore des boîtes d'eau, des boîtes neuves. Elle a légèrement un peu de sulfate, cette boîte là. Je peux vite éventuellement la changer. Allez, on enchaîne avec un autre jeu que vous connaissez très très bien. Un jeu développé par CD Projekt et édité par Namco. Pardon, par Bandai Namco Games. Un véritable héros forge sa propre destinée. Gérald de Rive est un sorceleur, un tueur de monstres professionnel. Abandonné dès son plus jeune âge, il a été soumis à des entraînements et à des mutations extrêmes. Une ère de chaos indescriptible vient de s'ouvrir. Les puissances s'affrontent en coulisses dans une lutte acharnée de pouvoir et d'influence. Les royaumes du Nord mobilisent leurs armées et se préparent à la guerre. Hélas, les troupes en marche sont bien peu de choses face au complot sanguinaire qui se trame. Quelqu'un cherche à faire tomber les têtes couronnées.
Et chaque nouvelle tentative ne fait qu'intensifier un peu plus la confusion qui règne dans ce monde désormais soumis à la loi du plus fort. La violence et la cruauté sont devenues les réalités quotidiennes. Une histoire immersive, complexe et non linéaire, un univers réaliste, vaste et cohérent, des combats spectaculaires, violents et tactiques. C'est un jeu qui est sorti en 2012. Waouh! Alors vous avez dans cette édition Enhanced un disque de soundtrack. C'est pour ça que c'est un peu plus cher que la version classique. Et vous avez deux disques, Game Disc 1 et Game Disc 2. C'est dommage qu'ils nous ont mis les trois mêmes visuels. C'est quand même très con. On a une belle map et on a la notice en français. Il y a de quoi lire dans cette notice. Ok. Potion. Découvrez les romans qui ont inspiré le jeu vidéo. Andrzej Sapkowski, Sorceleur. Parce qu'au départ, c'est un roman, quoi. Ça, peut-être beaucoup de personnes ne le savent pas. Alors, cette map. La vallée du Pontard avec la légende qu'elle est bien en français. Et derrière, on a une vue d'ensemble en fait de la map, hein. Les royaumes du Nord. Français, c'est vraiment intéressant. C'est une édition qui coûte à peu près 30 euros sur eBay, d'occasion, en très bon état. C'est à peu près les prix, quoi. C'est un jeu qui a déjà pris pas mal de valeur. J'aime bien, c'est assez coloré. Alors, The Witcher 2, j'ai jamais joué. Aucun des trois titres.
Assassin's of Kings Enhanced Edition. Donc, je pense qu'il doit y avoir du contenu un peu plus, quoi. Dolby Digital et en 1080p. Allez, on termine cette vidéo avec un coffret qui est en lien avec une précédente vidéo de mes derniers achats aussi. The Grudge. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'avais acheté les éditions collector en DVD 9 de The Grudge, mais les versions Jap. The Grudge 1 et 2 en version Jap. Donc là, vous avez le coffret The Grudge 1 et 2, mais en version US, qui ont été réalisés par Sam Raimi. Comme ça, la boucle est bouclée. J'ai les deux éditions en version française, bien sûr, mais adaptée par les Américains. Et les deux premiers films en version Jap. Vous n'avez rien vu d'aussi terrifiant au cinéma. C'est donc la version avec Sarah Michelle Gellar. Donc, j'en avais parlé dans ma précédente vidéo. Donc les éditions US qui sont sorties pour le premier en 2004 et pour le deuxième en 2006. Donc assez rapidement après les versions Jap, quoi. Collector qui n'est pas cher. Je sais plus exactement comment je l'ai payé, ça ne peut pas être délirant. Alors, The Grudge. Dans ce qui paraît être une paisible maison de Tokyo, se cache l'un des fléaux les plus épouvantables qu'il soit. Quiconque franchit le seuil de la demeure est aussitôt frappé par une malédiction qui ne tardera pas à le tuer dans un sentiment d'indicible rage. Alors que le nombre de victimes augmente, Karen, une jeune américaine, se trouve brutalement confrontée à l'horreur de cette réalité. Pour elle, il est désormais plus temps d'ignorer ou de fuir. Il faut comprendre pour avoir une chance de survivre. Alors, vous avez la langue française et anglaise, sous-titre en français, en 5.1 Dolby Digital et en anglais 5.1 Dolby Digital. Dans The Grudge 2, Aubrey apprend que sa sœur Karen est hospitalisée au Japon, où elle fait l'objet d'une enquête après la mort de son compagnon dans un incendie qu'elle a déclenché. Peu de temps après son arrivée à Tokyo, la jeune fille est avertie que sa sœur est devenue l'esclave de quelque chose d'invisible et de dangereux. Elle ne le sait pas encore, mais avec Allison, une étudiante qui n'a pas froid aux yeux, et Jake, un jeune garçon introverti, elle a rendez-vous avec une terrifiante malédiction que plus rien ne retient enfermée. Toujours en anglais français, sous-titres en français, piste son anglais-française en Dolby Digital 5.1, les chapitres libres d'annonce et la durée du film qui est grosso modo pareil que le premier, 1h28 pour le premier et 1h38. Pour le deuxième film. Il n'y a rien, il n'y a pas d'illustration à l'intérieur. Alors ça, ce que je trouve sympa, c'est que les deux visuels, certes, se ressemblent un petit peu, mais ils ne sont quand même pas les mêmes. Alors, un rappel
de ces deux visuels sur la tranche. Là, les images ne sont pas pareilles. Ne pas oublier, ne jamais pardonner. Et là, on a encore d'autres visuels assez sympas. Là, on a donc encore un autre dessin qui ne ressemble pas du tout à la jaquette. Ça c'est sympa, j'aime bien quand c'est varié. Alors on n'a pas de visuel intérieur. Mais au moins on a des visuels bien différents à chaque fois, bien distincts. Un autre visuel assez sympathique, avec toujours Sarah Michelle Gellar dans le rôle. Alors, est-ce qu'il marque quand est-ce que cette édition est sortie? Alors cette édition coffret là, est sortie en 2007. Ju-on 2. Takashi Shimizu. Si vous voulez découvrir les coffrets collector DVD, ben, je vous invite à aller voir ma vidéo. Là, vous avez encore un autre visuel, vraiment sympa. Rien à voir encore avec le visuel de la jaquette. Sympa, très 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 sympa. Avec de la poussière. Donc c'est vraiment sympa, je trouve. On a vraiment des visuels différents. Toujours de toute façon une excellente adaptation, je trouve, hein, parce que évidemment je les ai déjà vus à l'époque. À l'époque où je téléchargeais à foison les films, je les avais vus, ces éditions-là. Les éditions Jap aussi. Bon, très très sympa. Moi je vous conseille vraiment ces films, si vous aimez bien les films d'horreur. Voici les derniers achats. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. C'est important pour le référencement. Moi, je vous dis merci de votre fidélité. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao.